suis Alain Béchard, je ne suis pas du tout paysagiste, j'ai une formation d'architecte, j'ai travaillé 42 ans sur l'agglomération de Sarcy-Pontoise, j'ai commencé à la mission d'aménagement en 68, j'ai passé à l'établissement public, je suis passé après à la communauté de l'agglomération en 2002 et j'ai fini à la Sarcy-Pontoise aménagement les 6 derniers mois avant de partir en retraite. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est ni un bilan ni un programme. C'est un document qu'a fait Dominique Juglard, qui était paysagiste à l'établissement public. C'est une analyse, il a regroupé toutes les analyses qu'ils ont faites pendant une dizaine d'années dans ce document qui est là. Donc j'ai extrait des informations de ce document-là et j'en extrait d'autres pour montrer comment on est arrivé à Sarcy, à analyser le site existant et à faire ce qu'on a réalisé maintenant, ou ne pas le faire, parce que des fois, on n'a pas fait du tout ce qu'on avait prévu. Ici, c'est des points détaillés de ce qu'on va voir. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on puisse parler plus ensemble, c'est comment moi j'ai travaillé sur Jules-Moutier avec Dominique Juglard sur les rues et sur les boisements qu'il y a eu. Donc les deux petites photos là, enfin les deux petits croquis qui sont là, c'est les arbres qui sont sur le site, les arbres qui sont d'origine sur le site. Et on a essayé de replanter toujours les essences sur le site. Sarcy-Pontoise, c'était une ville nouvelle, c'était des terrains agricoles à l'origine. Mais il y a quand même eu sur Sarcy-Pontoise, soit du passage, parce qu'on a la chaussée Jules César, qui est ici, soit on a retrouvé dans les alluvions de l'Oise des pierres taillées ou des pierres polies, on a des mégalithes, on a des menhirs, on a des allées couvertes. Donc le site a déjà été occupé. Donc là, c'est les 11 communes, les 12 communes, pardon, de l'agglomération de Sarcy-Pontoise. Si on prend cette carte-là, à l'origine, c'était 17 communes. Donc une sur Morcourt, enfin Morcourt sur les Yvelines, qui va bientôt être en, dans les mois à venir, ou ces mois-ci, faire partie de l'agglomération, a disparu de la... du projet de départ Boissy-l'Évry, Henry, Pierrelet et Méry. Donc deux au nord et deux à l'est. Donc là on revient sur les mégalithes. Celui qu'on voit en arrondi à droite en haut, c'est l'IA Sergi, et c'est un des très rares à être en forme arrondie. Celui de Jules-Moutier est plus comme un Carnac. La découverte de Vauréal à gauche, c'est une sépulture. Et en bas à droite, c'est les deux vues sur la chaussée Jules César, une vers le Vexin et l'autre vers la ville nouvelle. Le département fait des travaux sur la chaussée Jules César sur l'ensemble du département. Ce croquis-là, c'est pour expliquer que Sergi, déjà, ça a la même superficie que Paris intramuros, 8000 hectares. L'analyse du site nous montre qu'il y a la vallée de la Seine. Parallèlement, il y a la vallée de Montmorency. Derrière Sergi, il y a le plateau du Vexin. Et Sergi, c'est avec la vallée de l'Oise, c'est un peu anachronique parce que c'est un axe nord-est-nord-ouest. Est presque perpendiculaire à la vallée de la Seine. Donc ça c'est, on ne fera pas de pub, hein, c'est match. C'est une carte qui montre Paris et Sergi, que l'on voit là, avec la route de l'Oise. Alors, l'avantage qu'on avait par rapport aux autres villes nouvelles de la région parisienne, c'est qu'on a la rivière. La rivière,
Boise nous fait un double méandre avant de se jeter dans la Seine. Et elle nous permet d'avoir un amphithéâtre qui est ici, qui nous permet d'avoir des vues sur l'extérieur de la ville. On a en plus la plaine de Versailles, la plaine de France, et derrière le plateau du Vexin. On a en grand espace boisé la forêt de Saint-Germain, la forêt de l'Isle-Adam et la forêt de l'Authie qui est ici. Une partie de la forêt de l'Authie est dans la ville nouvelle. Donc c'est un dessin qui explique à peu près la même chose mais pris un petit peu différemment. Les masses boisées, l'Isle-Adam, Saint-Germain, l'Authie, la plaine de Versailles, la plaine de France, de l'Aixin. Et en pointillé, le centre de Cergy, Vauréal, et Aragnissi. Là, c'est une carte hydrographique. Donc, quand on parle de la vallée de l'Oise, on a la base de Loisir au milieu. Là, on a aussi une vallée qui est très importante, qui est la vallée d'Avion, et une toute petite vallée qui est le Rhône du Yes. La vallée de l'Avion est très importante parce qu'elle a des crues, elle est petite mais elle a des crues. On verra après pourquoi aussi. Là, on parlait d'amphithéâtre, donc on a toujours notre vallée de l'Oise, l'amphithéâtre où il y a l'axe majeur ici. L'Oise, en gros, est à la côte 22. La base de loisirs, elle, est à la côte 23. Quand on est au bord de l'Oise là, et qu'on arrive au bois de Cergy, on doit être à peu près à la côte 30. Le centre de Cergy Préfecture est à peu près à la côte 40. Et on monte progressivement sur le plateau de Puiseux qui, lui, est à la côte 100. Si on va un peu derrière dans le Vexin, on monte 120 facile. Et sur la partie Vauréal-Joulmoutier, on est à la côte 100. Les villages qui sont ici, eux, sont à peu près à la côte 30. La crue de 1910 est en montant à la côte 25. Et les promenades qu'on a créées ici, les terrasses, sont entre la côte 75 et la côte 90, suivant la position sur le versant. La forêt de l'Authie, elle a une cote entre 170 et 190. Elle domine la vallée de la Seine et elle domine la vallée de l'Oise. Et ici, on a la vue de Courdimanche, qui est très importante dans le site de la ville nouvelle, parce qu'elle est vue de partout. Et je disais tout à l'heure, le château d'eau de Courdimanche est vu depuis la tour Montparnasse, depuis l'observatoire de la tour Montparnasse. On voit donc l'Oise. Cette photo est de 69. Des terrains agricoles tout autour. Le village de Joulmoutier, le village de Vauréal, le village de Cergy, le village de Neuville, le bois de Cergy, quand moi je suis arrivé pour travailler, c'est ce qu'il y avait. J'arrivais sur à l'établissement public, faire la mission d'aménagement à l'époque, avec ma petite mobilette, par des chemins de terre, et après en voiture, il y avait toujours des chemins de terre. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas eu d'autoroute. L'autoroute A15 a été inaugurée en 77. Donc on arrivait par Saint-Paul-de-Mont-de-Pontoise, par l'ancienne nationale 14. Et que la gare, c'était la gare de Pontoise, il n'y avait pas de RER. Il n'y avait pas un réseau, il n'y avait rien. C'est la partie qui est ici, le premier quartier qui a été construit, c'était des terrains militaires, c'était un champ de manœuvre. À Pontoise, je crois qu'on est dans la région parisienne, la dernière ligne Pontoise-Saint-Lazare à avoir eu un train à vapeur encore, je crois que c'était dans les années 70, je ne sais plus la date exacte. Ouais, donc
c'était vraiment la campagne. Et les gens qui ont habité les premiers en 71, c'était vraiment, ils allaient dans le Far West, c'était vraiment des pionniers. Là, on retrouve donc l'Oise, on monte légèrement pour être au niveau du centre ici, à la côte 40. On monte toujours pour être au niveau du plateau de Puiseux, à la côte 100, et on tourne sur le plateau de Loti, 100. Là, on a un vallon qui est le vallon de Jouy-la-Fontaine. On a un vallon ici qui est le vallon de Boréal. Et on a un vallon ici qui est le vallon de Gatineau. Ces vallons ont une forte importance par rapport à la vallée des Bois, parce qu'ils permettent aussi de l'agrandir. Au milieu, c'était les étangs de Sergine, Neuville. C'est d'anciennes gravières. Donc on verra l'évolution de ces gravières. Donc là, c'est une maquette du site. Donc on voit Courdimanche avec son château d'eau en haut, la forêt de Lautille. On voit la vallée de l'Oise, la base de Loisy au milieu, le parc terrestre qui est à latitude 50-55, et Ragny aussi. Et sur donc Puiseux Côte 100, les versants Loti toujours la Côte 100, et le vallon de Voréal, le vallon de Jouy-la-Fontaine et le vallon de Glatigny qui remontent sur le plateau. Pour bien comprendre que c'était des terres agricoles, Pissarro, quand il était sur Pontoise, il a peint cette paysanne dans son potager en train de bêcher, mais sur Argenteuil, zone spécialité, quand il y avait de l'agriculture, c'était les asperges. Sur Pontoise, c'était le chou. Et voilà, c'est ce type de chou qui existe et qui a donné certaines couleurs à des bâtiments. Toujours pour faire le contraste agricole, urbanisation, 30 ans d'écart, photo prise à peu près au même endroit en avion. Donc ici c'est la caserne Bossu, ici c'est les Trois Fontaines, le centre de Sergy Préfecture, le premier secteur d'habitation, le secteur sud. On retrouve la caserne ici, les Trois Fontaines et le centre ici, et le premier quartier d'habitation ici. 185 000 habitants en une quarantaine d'années. Bon, alors c'était des terrains agricoles, c'est vrai. Il y avait donc des agriculteurs propriétaires ou locataires de terrains. Ces agriculteurs faisaient beaucoup d'articles, faisaient beaucoup d'articles dans la presse, mais faisaient aussi des manifestations. C'est comme ça qu'un jour on s'est trouvé cerné par des tracteurs et des agriculteurs avec leurs faux qui voulaient pas pour les exproprier. On a pu négocier, donc c'était mon premier directeur Bernard Hirsch et Guy Bardol qui ont négocié avec les agriculteurs, la chambre syndicale, enfin le syndicat des agriculteurs et la chambre d'agriculture pour qu'on puisse avoir des protocoles pour leur laisser des terrains. On verra aussi les terrains qui sont laissés, ceux qui vont se transformer, et ceux qui étaient des terrains agricoles entre guillemets provisoires, qui sont toujours cultivés par des agriculteurs. Donc ici, c'est à peu près où on sera cet après-midi pour ceux qui viennent dans le quartier de la préfecture, où on voit l'église de Sergy. Au fond, on voit les versants de Lautille, donc là c'est Boréal. Là, c'est le château d'eau de Courdimanche, qui est à la côte 150. Le premier bâtiment de la ville nouvelle, et j'y tiens, parce que tout le monde dit le premier bâtiment, c'est la préfecture. Non, c'est ce bâtiment-là qui était la mission d'aménagement. Et donc, c'est quand je suis rentré en septembre 69 dans ce bâtiment, mes collègues, j'étais le numéro 27e. Mes collègues étaient rentrés en mai et avaient occupé les locaux dès leur arrivée sur le site. Donc là en 69 on voit la préfecture,
enfin les échafaudages pardon, de la préfecture. 68 pour les échafaudages, 69 fin 69 pour la photo en noir et blanc. Bon là on s'aperçoit bien qu'on est toujours dans un milieu agricole et on accède toujours par des chemins de terre. Là c'est donc la préfecture avait comme on a agrandi la photo mais on l'a pas étirée, elle est montée en sucette la préfecture, elle est plus plate. Donc la préfecture elle était faite par un grand architecte qui s'appelait Bernard Henry. Et là on a à côté le bâtiment de la mission d'aménagement. Et là on voit toutes, c'est pas des logements, c'est des cabanes de chantier qui sont autour de la préfecture. Quand on a terrassé la préfecture, il y a quand même eu 300 000 mètres cubes de terre qui ont été stockés dans le secteur. Alors, ici c'est le secteur d'habitation. Ici on voit la trace d'une voirie qui est en cours de réalisation. L'idée c'était de décaisser d'un demi-niveau la voirie, prendre la terre du décaissement et la mettre au niveau du chemin piéton. Ça veut dire qu'entre le chemin piéton et la voirie, on avait un niveau de décalage, donc 6 mètres, qu'on pouvait faire, si on avait voulu, des parkings souterrains qui se branchaient directement sur la voirie secondaire. On avait le piéton et la voiture séparés. Alors, à cette époque-là, on séparait le piéton et la voiture. Quand les architectes ont dessiné les voiries, on était avec des obtus ou aigus, mais on n'était pas avec des arrondis comme ça, parce que ça, les arrondis, c'est quand les ingénieurs sont dire à telle vitesse, on roule à 60 en ville, donc à telle vitesse, il faut tel rayon de courbure, donc on se retrouve avec des espèces de nouilles. Après, on a fait attention de ne plus faire comme ça, et dans ce secteur-là, comme les ingénieurs avaient toute la puissance, les urbanistes, il n'y en avait pas beaucoup, donc il y avait des architectes qui étaient urbanistes. On a réalisé ces voies sans planter d'arbres. Tout était pour la voirie et les réseaux. Pas de piétons. Donc tout était engazonné. C'est Bernard Rey, je l'ai dit à Dominique Jublard, il faut planter, il faut mettre un peu de verre, on ne se croirait pas à la campagne. La première maison qui a été construite, on l'appelle la maison des Anglais parce que en France, on n'avait jamais réalisé de ville nouvelle. En Angleterre, on en faisait depuis longtemps. Donc une équipe d'Anglais est venue nous aider pour le premier quartier à faire un plan masse, à organiser nos services et à s'organiser sur le terrain par rapport aux promoteurs, ainsi de suite. Donc cette maison, c'est la seule pendant longtemps de la ville nouvelle, pendant au moins une dizaine d'années, est une maison en bois. Elle a abrité longtemps les bureaux de Socotec, mais les maisons en bois, ça ne se vendait pas dans les années 70. Donc, on les a reconstruites en parfum et on les a habillées de bois. Donc, c'est des petites anecdotes. Donc la terre qu'on a enlevée des voiries, on ne l'a pas envoyée en décharge, on l'a stockée, on ne l'a pas non plus remis sur les chemins piétons, on l'a stockée et on l'a évacuée dans d'autres sites que je vous montrerai. À cette époque-là, une opération de logement, c'était un promoteur, son architecte, ils avaient 600 logements. Et comme tout était normatif, 600 logements, c'était un groupe scolaire. Trois groupes scolaires, c'était un collège. Le collège, c'était un lycée. Vous parlez en termes de prix, là Non, je parle en termes de... Quand je dis 600 logements, ça représentait tant d'enfants. D'accord. Hein? Donc, trois groupes scolaires, ça nous faisait... Ça dépend de la taille du collège. Bon, les premiers, c'était les 600 qui sont vite passés à des 900, 900 élèves. Donc, quand on avait deux fois des 600 ou deux fois des 900, ben, on avait un lycée. Le lycée, au
départ, était à Pontoise. On a eu, dans les années 75-80, le lycée qui était à sa préfecture. Là, on a la préfecture sous la flèche. Là, on voit les trois fontaines en construction. Là, c'est le secteur de bureaux. Et là, on a le premier quartier en construction qui sont les plans, les Maradas et les Touleuses. Chacun de ces trois îlots a son groupe scolaire. Alors là, on revoit la préfecture avec le petit bâtiment de la mission d'aménagement. Ici. Ici, c'est l'hôtel des hypothèques et des services fiscaux. Et ici, c'est la construction. C'est la construction de la Sogé 2000. Donc, c'est à peu près 70. Et la petite photo avec la grue, c'est 69. Ici, c'est maintenant l'hôtel d'agglomération, la tour EDF, et puis derrière les trois fontaines. Et on voit en 82, l'hôtel d'agglomération qui est ici, on le retrouve ici. Et là, c'est la zone de logement qui est en construction entre le centre-ville, entre les trois fontaines et l'hôtel d'agglomération, avec une rue piétonne qui se prolonge, à l'air libre. Donc ça, c'est 83-84, c'est les années qui suivent. 84, inauguration du centre par le premier ministre de l'époque, était Mauroy. La gare était déjà en activité. Premier quartier de logement. Donc on voit les services fiscaux, la Société Générale, le quartier des Plans avec son groupe scolaire qui va arriver, le quartier des Touleuses avec les collectifs pour le moment, les individuels qui arrivent après. Ces trois opérations du quartier sud sont des opérations mixtes, à peu près 60 logements à l'hectare. En général, les locatifs, les petits collectifs étaient locatifs, les pavillons étaient accession. Et on voit ici la construction du groupe scolaire. Alors on le verra peut-être pas pour ceux qui vont se promener cet après-midi, mais on en verra au moins deux autres groupes scolaires, dont un où on passe dessous, le chemin piéton passe sous l'autre. Ici, c'est on va voir comment on voit la ville nouvelle. Comment elle est perçue de l'extérieur. Donc, si on prend ici, on est dans la ville nouvelle, secteur de Lauzeray, et ce qu'on perçoit, c'est le fond paysager de la vallée de la Vionne. Quand on vient du Vexin, c'est agricole et on va rentrer sur un système urbain. Donc on avait plusieurs possibilités. Est-ce que on a les immeubles et puis le parking et l'agriculteur qui vient juste au rang? Je pense pas que c'était une bonne solution. Est-ce qu'on a un parc qui vient et l'agriculture qui vient se coller avec ou qui rentre dedans et c'est une meilleure solution? Est-ce qu'on a ça avec un mail qui fait une liaison pour une autre solution? Alors nous, à l'époque, on a eu une autre option qui était un centre qui était Mirapolis, qui était un lieu de loisirs. Quand on est sur la butte de Courdimanche, on a un glacis tout autour, mais qui est vu partout, donc il y a une protection à faire, mais on a des belles vues sur le reste de la ville. Et alors les franges boisées de la forêt d'Autil, elles étaient à protéger
Et de cette forêt, on a une vue sur tout le plateau de Chouloutier. Donc l'idée, c'était de recréer des espaces, des écrans boisés. Donc pour le moment, on en a recréé à peu près 4 sur ce secteur-là, puis là, on a dû en recréer 1, je crois, ou 2. Et quand on est sur Erani, on a une très belle vue depuis Erani, qui est à la côte 55 sur le quartier de la préfecture, ou plus loin. L'idée, c'était de faire un front boisé, construit ici, avec des logements en terrasse qui pouvaient voir sur le quartier de la préfecture. Alors, à la même époque, se construisait la Grande Motte. Donc, on avait eu la bonne idée, avec un Lego, de faire des maquettes. C'est-à-dire qu'on pouvait jouer avec les Lego, donner des formes à nos maquettes. C'était plus facile que de les faire en bois. On avait calculé que si on était à l'échelle, ça nous faisait tant de logements dans le Lego, dans la petite brique. Et on calculait nos densités comme ça. Voilà. Donc on s'amusait autant qu'on travaillait. Il ne faut pas le dire, mais bon. C'est bien de faire les deux en même temps. Et ça, c'est... Alors, il y a eu des logements qui sont réalisés, accession et location, qui ont des terrasses. L'architecte qui a réalisé ces logements, qui est un architecte local, a eu une bonne idée de dire, on va dire aux gens, voilà, vous avez un plateau dans votre logement, ça change un peu des espaces, on écarte un peu. Dans ce plateau, vous avez des arrivées de fluide et des départs de fluide, et vous dessinez ce que vous voulez à l'intérieur. Et en fin de compte, les gens, ils ont redessiné l'appartement qu'ils quittaient. Donc, ils étaient un petit peu déçus, il n'y en a que quelques-uns qui ont marché, et a fait le même exercice après sur des pavillons, et c'était pareil, les gens redessinaient l'appartement, le pavillon qu'ils avaient quitté pour avoir une... Donc il faut bien aider les gens. Alors cette photo-là montre... on doit l'avoir peut-être en double. Montre un peu les espaces verts. Donc on a toujours notre boucle d'Oise, une zone boisée le long de l'Oise du côté de Cergy, la base de loisirs, le parc terrestre, des franges boisées sur la partie plate, et puis après les poteaux des versants d'Outil. Le vallon de Vauréal, le vallon de Glatigny qu'on pensait faire remonter jusqu'à la forêt d'Autil par un parc qui n'est pas réalisé, et le vallon de Rue de la Fontaine et le vallon de Glatigny. Et Courdimanche est ici, et Menucourt ici. Pardon, Courdimanche est ici, et Menucourt ici. Donc, et le long de tout. Toutes ces chaînes ouvertes, on voulait mettre des équipements. Certains ont été réalisés, d'autres n'ont jamais été réalisés. Par exemple, le stade de compétition, on voulait au moins un stade départemental, on a pas de stade départemental. Le golf populaire a été réalisé, enfin, il y a plein de. La ferme parc est réalisée, le verger, avec sa maison écologique, le verger a été retapé, mais. C'est des logements d'étudiants pour Veolia qui a fait une université à côté dans le parc du château. Voilà. Donc les idées de départ ont évolué. Et sur le parc terrestre, on a fait quelques travaux sur les végétaux. Au bois de Cergy, on a fait des travaux. Et sur Saint-Ouen-le-Monde, on a fait des équipements sportifs. Donc c'est les vues internes sur l'extérieur. Donc on a des vues depuis le quartier de la préfecture, sur les coteaux, puis sur le bois de Cergy et la vallée de l'Oise. Et Erani, on a des vues qui
viennent sur la préfecture. Puis eux, on avait vu qui. Alors la zone agricole là, on a toujours attaché les zones agricoles au Maillot Nouvelle, au Tremblay. Puis eux avaient une vue, enfin, une vue sur la base de loisirs, plus loin sur Paris, mais aussi sur le Vexin, sur Courdimanche. Nonuco a une vue plus fermée parce que Nonuco est dans un creux, donc les vues sont un peu bloquées sur, là sur la forêt d'Autil, là sur le Vexin et derrière la forêt d'Autil. Royal et Boisemont sont des vues sur le vallon, sur la, avec la masse d'art sur l'Oise. Un belvédère est ici qui permet de voir la base de Revire. Et puis je joue le Moutier et lui, pareil, des coteaux, il y a eu des écrans boisés de réaliser et on a fait des écrans boisés intermédiaires. Ça, je vous en parlerai plus après. Sur ce plan-là, c'est un petit peu les aménagements qu'on a fait dans le quartier. Donc si on prend. Ici, c'est le quartier de la préfecture, sous la flèche. On a des coulées vertes qui vont jusqu'au parc des Laris, le bois de Cergy, le parc des Linandes. Ici, ça doit être le parc de Saint-Christophe, le parc du Chat-Perché, puis ça doit être l'axe mineur et l'axe majeur ici. Oui, alors sur Jouy Moutier, on a fait des écrans boisés, ici. On a un boulevard qui était large, parce que sa largeur était entre 50 et 100 mètres. Il revenait en rétrécissant, et ce boulevard fait le tour de la boucle de l'Oise, il s'appelle le boulevard de l'Oise, et il passe sur Irak. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, le dessin et la photo sont à peu près de la même époque. Alors, quand on prend la vallée de l'Oise, on pense depuis le commencement de l'agglomération, donc c'est-à-dire depuis la fin de Auvers-sur-Oise, et ce tronçon-là est pris jusqu'au bois de Cergy. On a sur Centre-Lomond, on a l'abbaye de Maubuisson et un golfe qui s'est créé qui vient se raccorder sur l'Oise. On a des équipements sportifs qui sont au bord de l'Oise. Et puis sur Pontoise, on a le bois de le parc des Laris, ce que je vous montrais là, c'est l'évêché. On a le parc des Laris qui est ici, toujours sur Pontoise. On a une coulée verte qui remonte sur le quartier de la préfecture et on a le bois de Cergy qui est ici. Donc on retrouve le bois de Cergy. On retrouve l'emplacement du parc des Laris et l'emplacement de l'évêché. Et par ici, ça doit être le complexe sportif de Saint-Paul-le-Mont. Il ne faut pas oublier qu'on a la vallée de la Yonne, qu'on verra plus loin, mais qui est importante aussi, et qui va dans le Vexin, et le Rudiès qui se situe un peu plus par ici, qui remonte. En limite à Saint-Paul-le-Mont. Donc là, c'est des photos d'aménagement des berges. Vous pouvez rappeler où se situe la préfecture? Oui. Ah, attendez. On prend en arrière dessus. Oh, la flèche du haut.
se situe par ici. Même si on prend la photo, on est là, il y a caserne Ange, là il y a caserne Bossu, donc on est là, on se situe à peu près ici. Après, c'était les chemins de terre qui nous permettaient d'accéder au travail. Comme ça, on a vu. Alors, la base de loisirs, elle est au milieu du deuxième méandre. Les premiers dessins, la première équipe avec qui j'ai travaillé, donc j'ai travaillé avec Jacques Boubeau, et on avait imaginé que la base de loisirs, et l'Oise n'était qu'une unité. C'est-à-dire que toutes les berges qui étaient là avaient été descendues à un mètre sous le niveau de l'Oise et on n'avait qu'une étendue. Alors ça voulait dire qu'on avait des risques de pollution et pour éviter ça, on avait fait un canal en suivant la flèche en gros qui suivait comme ça, qui venait se projeter là. En 69, on parlait de gros transporteurs déjà. Mais quand on parlait de gros transporteurs, on ne parle pas de ceux qu'on a maintenant, qu'on aura sur l'Oise dans l'avenir. Donc comme ça nous fait une centaine de mètres à tailler du calcaire, ça nous aurait fait un canal un peu comme le canal de Corinthe. Financièrement, vous n'avez pas d'argent. Donc, c'est les arrondis des herbes qui se sont qu'on a retravaillé pour pouvoir faire passer des péniches. Maintenant, je ne sais pas comment on va faire parce que ce qu'on doit transporter sur l'Oise fait 5 mètres de haut. On ne peut pas avoir les gros transporteurs à 6 mètres de haut. Nous, on passe à. Nous, on passe à 5 mètres. C'est 4 mètres qu'on passe sous les ponts. Et les péniches font, les pousseurs font 180 mètres de long. Donc je ne sais pas comment ça va tourner. Est-ce qu'on va refaire les travaux? Donc on revoit bien. Pardon. Donc la base de loisirs. On la voit en phase actuelle. Après avoir travaillé avec les exploitants, parce que c'était des gravières, et on a ouvert la base de loisirs au fur et à mesure qu'eux avaient fini leur chantier d'évacuation des gravières. On retrouve le bois de Cergy, la vallée de l'Oise, les étangs d'origine. Derrière, on voit donc le parc terrestre qui est à la même époque qui est régné à côte 55 et qui a des constructions, des plantations de vergers qui sont, ou de vergers à l'époque qui sont transformés en petits bois, qui sont perpendiculaires à l'Oise. Le parcellaire aussi est perpendiculaire. Donc ça c'était toujours pour montrer depuis la. L'axe majeur, la vision de la base de loisirs, la photo est prise comme ça, direction de Paris, et au fond, là-bas, on voit Paris, et derrière, on a le parc terrestre, et une ville universitaire qui est là. Alors, tout à l'heure, on parlait de la vallée de l'Avione. La vallée de l'Avione, c'est une rivière qui a démarré. Entre Pontoise et Chartres, qui a une trentaine de kilomètres, dans cette allée, il y a plein de marais. Elle avait des crues, elle en a toujours. Quand on a construit le train, quand on a fait venir au fin du 18e siècle le train à Pontoise, on a remblayé certains quartiers, dont le quartier d'Avière, de plusieurs mètres. Et on a canalisé l'Avione. Donc on avait les marais derrière qui absorbaient les crues,
mais ces marais se construisent. Donc le marais du Mississippi qui est là, lui il n'est pas encore construit, mais les marais sur Bossy-Lédry sont bien construits. Donc on a moins de bassins de rétention qu'on en avait avant. Donc on a toujours des crues en pontoise et des crues, des inondations en pontoise. Alors la photo cette photo-là, c'est le marais du Mississippi. Alors on voit pas bien la vallée parce qu'elle est assez grande. Elle est, plus raide ici, elle est plate là, et on remonte en pente douce ici. Et ici, c'est le parc du château de Pouchy. C'est un parc qui fait, je sais plus combien, je crois que c'est une quarantaine d'hectares, mais j'ai peur des oiseaux petits. Alors, les coteaux de Cergy, Boréal et Jouy-Moutier, on les retrouve donc ici, le vallon de Boréal, à nouveau les coteaux de Boréal, le vallon de Genève-Fontaine, les coteaux de Jouy-Moutier, le vallon de Jouy. Ici, on est sur à la bonne sens, sur un terrain qui est presque plat, une porte à 2%, et ici, on est en limite de crête militaire. Donc il y a une promenade qui s'est faite avec un belvédère pour avoir une vue sur la base de loisirs, Cergy Préfecture. C'est le seul belvédère où les vues sont encore préservées. On a sur Jancy, on a un belvédère où il y avait l'ancienne. Ici, tout autour de la base de loisirs, on avait une ancienne voie de chemin de fer qui s'est arrêté en 1935, sur lequel il y a quelques gares qui restaient. On avait une agence qui a été démolie. On avait un super belvédère sur Paris, mais les arbres ont poussé et on n'ose pas trop tailler les arbres. Donc voilà. Donc, on ne voit plus sur Paris. On a toujours la vue depuis l'axe majeur. Et sur Jouy-le-Moutier, j'avais un des collègues, Michel Aubry, qui avait vu en plan qu'on pouvait voir la défense d'un chemin, donc comme il sortait pas souvent, on est sorti voir pour lui, et c'est vrai que avec ce chemin, on voyait la défense. Quand on a recréé les écrans boisés, on a essayé de conserver ce chemin, et maintenant les arbres ont poussé, et on ne voit plus par là. Donc on retrouve ici le vallon de Boréal, les coteaux de Cergy, les coteaux de Boréal avec les masses boisées, Jouy-la-Fontaine, et ici on voit des petites parties de un trou de ta photo parce que comment elle est allongée de Jouy-le-Moutier. Alors ça c'est une photo que j'ai retrouvée de 1900 qui est les coteaux de Cergy, enfin de Jancy, qui est un lieu dit de Cergy. Et la même photo prise à peu près au même endroit, 92 ans après. Au fond, c'est les bâtiments de... Alors, il y a un effet de zoom, on a l'impression qu'ils sont prêts. C'est les bâtiments de Pi-Batignol. Voilà. Les coteaux, il y a eu autres que l'axe majeur, il y a eu des coteaux d'entretien, des travaux d'entretien des coteaux. Défrichement, abattage, confrontation. Ici, on a la maison de Gérard Philippe. Gérard Philippe a vécu 6 ans à Cergy entre 1953 et 1959, la date de son décès. Vous répétez, qui était Gérard Philippe? Gérard Philippe, c'était un acteur de cinéma. C'était le David Custer de la génération avant. Et, il est connu si vous regardez Forfan la suite avec Bourville. Voilà. Vous verrez tout de suite. Il habitait à Cergy. Sa maison était transformée en lieu d'exposition. Une partie du parc est ouverte au public actuellement, tout le temps.
Et l'autre partie est fermée, elle est ouverte quand il y a la maison est ouverte. Et cette maison Gérard Philippe faisait part, qui part d'ici, faisait partie d'une propriété qu'on appelle le Clos Touréal, dans lequel il y a un petit château, et c'est une maison d'éducation d'enfants caractérielle. Donc l'établissement public a racheté une partie, donc a racheté la partie qui est sur l'axe majeur. L'État avait racheté à Anne-Philippe en 73 la maison de Gérard Philippe. Et cette maison et le parc a été à l'abandon. Et donc quand l'établissement public l'a racheté en 1986, on s'était engagé auprès d'Anne-Philippe d'en faire un lieu culturel. Si on prend les coteaux de Bréal, sur les coteaux de Bréal, on a fait donc une promenade. Ici, tout à l'heure, on parlait d'une allée couverte, la sépulture elle est ici. Et le menhir de Jules Moutier était par ici. Et celui qu'on a vu qui était en forme arrondie, il est par là. Et donc on a le bois, il a été travaillé, il va être retravaillé, je pense. Ici on a replanté, surtout en perpendiculaire, les poteaux. Parce qu'en face, on est en perpendiculaire, on verra tout à l'heure en regardant le parcellaire est ici et dans ce sens-là, et ici et dans ce sens-là. Donc on s'est réappuyé sur le parcellaire pour planter. Et en plus, ça agrandissait la vallée, l'effet de plantation agrandissait la vallée. Alors, la forêt de l'Autil et ses lisières. Dans la forêt de l'Autil, où il y a la j'ai ma flèche, il y a une ancienne ferme. Il y a une grosse maison bourgeoise qu'on appelle le château de Boisemont. Et derrière la forêt de l'Autil qui sur le département est entretenue par l'ONF et appartient au Conseil Général en contrepartie. Et sur cette forêt, on voulait avoir un parc qui vient rejoindre le vallon la fontaine, un parc qui servait de séparation entre Boréal et Jouy-Moutier. Et ce parc qui est toujours une zone agricole provisoire actuellement. On n'a pas encore eu l'occasion de le faire, je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Si on reprend les équipements qui sont le long de la lisière, le château des Campours est occupé par Veolia avec son université. Le verger des Campours est occupé en partie par les logements d'étudiants. La ferme parc a été réhabilitée et en activité, et il est visitable tout le temps. Le lavoir qui est situé a été réhabilité aussi. On pensait faire mettre du tertiaire ouvert, des laboratoires, mais ça s'est pas fait. Et donc on voit le parc de 13 hectares, parc central. Et sur Boisemont, rien n'est fait non plus. Voilà, donc c'est, les idées n'ont pas toujours abouti, puis des fois ça met plus longtemps que prévu. Donc là c'est une photo dans le bois de Sergy. Dans le bois de Tine. Alors la ville de Courdimanche. Alors, la ville de Courdimanche, elle est vue de partout, puisque comme je vous disais, on la voit depuis la tour Montparnasse. On voit surtout son petit château. Côté ville nouvelle, on a fait un golf, donc sur Boréal, Sergy, puis une partie de Courdimanche. Et côté parc du Vexin, on va garder Glacis. Agricole communale. Donc
ça c'est du côté c'est du côté Sergi Court Dimanche, la photo là. C'est du tout, c'est des équipements sportifs. Et de l'autre côté, il y a un golf. Et on voit Court Dimanche et son château d'eau ici. Et donc c'est des équipements, c'est un golf privé. Et ici, on revoit le château d'eau et le glacis qui tourne et qui va rattraper la forêt de l'outil. Donc on parlait tout à l'heure de zone agricole. Donc on a la zone agricole de Sergi qui, qu'on appelle définitive, mais qui, elle, sera définitive parce qu'elle est en zone inondable. On a la zone de Jouy-Moutier-Morcourt qui, à mon avis, resteront longtemps agricole. La zone de Saint-Holomone, qui est sur l'IS, on a fait un premier quartier le long de la ligne D2RER avec une gare, la gare de l'IS. On étudie un deuxième quartier qui est l'IS 2 et il y aura l'IS 3. Donc il restera très peu, il restera une petite partie de zone agricole définitive avec, en séparation de Saint-Ouen-l'Aumône et puis de Pierrelaye, des plantations sur les terrains de la ville de Paris. Et puis il reste un terrain, une zone agricole définitive ici, sur lequel il y a de l'urbanisation. Donc on voit des fouilles archéologiques sur cette zone agricole. Et l'autre partie qui est pas où il n'y a pas de fouilles, toujours dans la zone des Inondes. On voit la zone agricole, on voit un camion d'autoroute, et la ligne d'arbres, c'est la chaussée Jules César. La chaussée Jules César, à part de Puy-Lyon, et avec jusqu'à Rouen, passant par Paris. J'ai oublié de dire que... Et puis alors, à Sergi-Préfecture, la zone agricole, ben, les deux photos là sont prises à des endroits différents de la zone agricole. Là, au fond, on voit le vide, et là aussi. Donc voilà le plan que, quand on met tous les éléments, la vallée d'Oise, les bocages, la forêt, et la vallée d'Avion qui est là. Donc c'était là un peu notre base de travail pendant... Et ici, par exemple, on voit qu'on a, pensé des écrans parallèles à l'Oise. En fin de compte, sur une photo aérienne, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui était en forme de courbe. Donc on a repris cette courbe. Par rapport aux fouilles archéologiques, il n'y avait rien en dessous. Mais le blé était plus court. Donc on a dit qu'il y avait juste passé quelque chose sur le site. Et on a conservé ce dessin. Bon, maintenant, on va rentrer plus dans le détail des opérations. Alors, moi, je n'ai pas travaillé sur ces opérations-là, mais nous promenons dans la ville, j'ai essayé de vous expliquer. Donc, le quartier de la préfecture est situé, ici. Donc, on ne va pas être dans un ordre chronologique parce que c'est le dernier espace vert du quartier de la préfecture qui a été réalisé. Mais on va avoir quand même une idée de la procédure dans laquelle on arrive. Donc on a l'Oise. Ici, on a une falaise de calcaire. Et après, on avait le plateau, le champ de manœuvre. Et ici, on descendait sur l'Oise par la zone agricole. Quand on est arrivé, l'autoroute, bien sûr, n'existait pas. Ce boulevard-là, avec son pont sur l'Oise, le boulevard de le pont a été fait en 86-87 par là. Donc pour aller à Irani, on prenait l'autoroute. Et la SNCF en 79. Donc comme on avait beaucoup de terre, on a commencé par remblayer ici pour appuyer la ligne SNCF. Et après, aller en viaduc. Et puis, on avait tout cet espace-là à travailler.
avec un gros décalage de niveau, parce qu'il y a au moins 20 mètres de dénivelé ici et ici. Donc ici, on est sur une partie de logement collectif dense. Ici, sur une partie de logement individuel. On descend de la zone de logement sur le parc par une pente douce et par des équipements publics en terrasse. Ici, on a des équipements sportifs. Ici, on a des jardins familiaux et ici, les équipements sportifs se sont transformés en MJC. Excusez-moi, qui a fait le parc ? Alors, c'est Conception Dominique Juglard, maître d'ouvrage l'établissement public d'aménagement et maître d'œuvre pour le chantier et tout côté administratif, l'ONF. Donc l'autoroute venant, ça faisait du bruit, donc les terres, les 308 mètres cubes de terre, l'excavation de la préfecture et toutes nos terres de voirie qu'on avait, sur lesquelles on avait creusé un demi-niveau pour les avoir semi-enterrés, on en a mis, on en a mis une partie ici pour faire un écran boisé, enfin un écran anti-bruit, pardon, et puis qu'on a posé et un levier pour protéger des bruits de l'autoroute. On en a mis ici parce que la falaise était pas en bon état, donc on a remis. Et on en a mis ici pour faire des terrains de sport. La partie qui est ici, entre ici et ici, est au terrain naturel. Et ici, on avait un étang qui existait, qu'on a accentué, et qui a été refait en travaux là dernièrement. On a refait donc tout ce qui est circulation. Parce que ici, c'était avant des maraîchers. On a recréé ici des mouvements de terre pour appuyer le pont du boulevard de Loire. Et alors, je ne sais plus bien mes souvenirs, mais dans la fin des années 78-82, on a travaillé avec un photographe paysagiste belge qui s'appelait Leroy. Et donc qui c'est un écologiste. Oui. Et donc avec lui, là, on a planté jardin écologique et une mauvaise herbe ont gagné sur d'autres mauvaises herbes. Enfin, je n'ai pas suivi comment ça s'est développé, mais il avait tout un discours qui était intéressant. Alors j'ai perdu plus ce monsieur, puisque c'était Dominique Juglard qui l'avait amené à l'établissement public. Mais c'était intéressant, la démarche qu'il avait. Voilà. Excusez-moi, les 300 000 mètres cubes d'excavation. Ils ne sont pas tous là. Hein. D'accord. Non. On a quelle échelle de volume à peu près de... Bon, je ne sais plus. Le belvédère, il fait. Le belvédère, il doit faire. Il doit faire une. On va le voir en photo après, une bonne dizaine de mètres de haut, 10-12 mètres. Celui qui est dans le bois de Sergi, il doit faire une vingtaine de mètres. Là, au niveau du pont, on a dû gagner. On a dû gagner 3-5 mètres. Entre les chaussées on a 6 mètres, le tablier d'une voie il faisait à peu près 1 mètre, on a dû remonter le terrain environ 5 mètres. Voilà. Donc ça c'est les jardins familiaux. Là c'est la ce que je disais en pente douce, il ne faut pas avoir une poussette handicapée. À l'époque il n'y avait pas de normes. Hein. On arrive là sur la plaine de jeu qu'on voit ici. Là, c'est une photo prise un peu plus loin de la plaine de jeu. Alors là, on est sur le chemin piéton. On voit les falaises, on voit les mouvements de terre et on voit les collectifs au-dessus.
Là, ça doit être la partie plate et on doit voir l'Oise qui est là. Là, c'est la butte avec ici l'étang qui est repris en ce moment. Et on se retourne et on voit la plaine des terrains de sport avec le talus qui est la plateforme. Donc là, on est vraiment au niveau de l'Oise. Alors là, on arrive sur le bois de Cergy. Alors le bois de Cergy, à l'époque, il devait être un peu plus grand parce qu'on a dû mordre un peu les logements dans le bois de Cergy. Là. Actuellement, il fait 42 hectares. Quelques équipements rentrent dedans, le collège, qui est venu mordre dans le bois de Cergy. Les équipements publics, sportifs, couverts ou découverts. Un centre aéré. Et une maison restaurant qui existait avant notre arrivée et qui a été qui s'appelle la Balastière et qui a été réhabilitée pour donner de l'animation dans ce bois. L'autre partie où on a remis de la terre, je cherche ma souris. C'est sûr. Alors ici on avait un chemin qui existait. Qu'on appelle la rue du Gauloir. Pourquoi je perds toujours ma souris ? Qu'on appelle la rue du Gauloir. Et la rue du Gauloir a une histoire, parce que au Moyen-Âge, quand les pêcheurs de Boulogne avaient trop de harengs, il y avait partout en France, on voit des chasse-marées, des chemins, et donc ces chemins permettait aux pêcheurs d'amener le poisson sur Paris. Et ben nous, la rue du Gauloir, c'est une chasse-marée et le port de Cergy, le port d'Éragny qui est ici, servait de bac. Donc toute cette partie de la rue du Gauloir a été remblayée d'un mètre, 1,50 m. Le secteur. Ce secteur ici a été remblayé puisqu'il devait y avoir des carrières. Ici, il y a une super butte belvédère qui est connue sous le nom de la butte à Juju, mais c'est la butte à Juglar. Ici, il y avait une carrière de sable long qui a été remblayée aussi. Dans ce bois, il y a eu des fouilles archéologiques. On a retrouvé des ossements. Voilà. Le bois a été. Les allées ont été refaites. Cette zone-là qu'on avait laissée ouverte au départ, on a fait comme dans le bois de Boulogne parce que tout le monde passait partout et le mus du bois a été abîmé, on l'a fermé 10 ou 15 ans. Puis on a fait. Alors, on n'a jamais su avec Dominique Juglar si c'était vrai. Certaines personnes disaient que le bois de Cergy à l'origine était une vigne. Et que ce serait les queues d'acacia qui auraient repoussé et la vigne a produit. Parce qu'on fait du vin, un affreux vinaigre qui s'appelle le jungle. Mais bon, on faisait du vin sur Cergy, L'Oréal, Joumoutier. Joumoutier, il y a toujours une vigne. Exploité. Voilà, donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On n'a jamais découvert comment ce bois était là. Est-ce que, voilà. Donc il y a ça, qu'est-ce qu'il y a de ce que je peux dire? Donc le maître d'ouvrage, bah, c'était toujours Dominique Juglar, enfin, pardon, le concepteur, le maître d'ouvrage, c'était l'établissement public, et le maître d'ouvrage pour tout ce qui est administratif et chantier et tout. C'était l'OEF. Donc on voit le bois de Cergy, on voit le collège ici, le centre aéré, tous les équipements sportifs ici, plein air et couvert, et la petite, le petit restaurant ici. Le mail étant ici, la butte à Juglar étant ici, la zone agricole.
avant de l'habiter Jugler, on voyait au-dessus des arbres de la, du bois. Là, on l'a à une époque où il n'y a pas de construction. Donc on voit bien ici qu'il y avait des fouilles qui se passaient. Et ici, c'était des terrains militaires. C'est pour ça que c'est le premier secteur qu'on a construit. Alors, la rue du Brûloir, la rue du Brûloir reprise en terrasse, une allée refaite dans le bois. Là, on voit, cette photo-là a été prise dans le secteur là. Donc, là, on voit que ça descend légèrement, mais là, on voit que ça descend bien. Là, on est au terrain naturel, là, on est en remblai. Et la butte à Jugler, qui est ici, qui est d'un côté boisé, côté bois, et de l'autre côté, qui était planté de lavande et de thym, je crois. Alors, là, c'est le parc de la préfecture. Oui, le parc de la préfecture. Alors, le parc de la préfecture, il est pas clos. Le premier préfet qu'on a eu, il ne voulait pas que la préfecture soit fermée. Il ne voulait pas que le parc de la préfecture soit fermé. Et en plus, il voulait que des boutiques rentrent dans la préfecture. Donc, ce qu'on n'a pas arrivé, mais ici, on a un petit drugstore qui existe toujours. Enfin, il n'y a plus de commerce dedans, mais qui s'appelle le drugstore des Jouries, dans lequel on avait quelques commerçants. Et la cantine de la préfecture était dans ces locaux-là aussi. Et on avait deux salles de cinéma. Donc, une demande qui était imposée, parce que c'était un concours international, une demande a été imposée au concours, c'est d'avoir l'axe entre la préfecture et le clocher de Cergy, qui est un petit peu plus loin de la flèche. Cet axe est dans le tracé du chemin qui est là, qui est du canal. C'était en quelle année, ça ? 72. Le bois de Cergy, c'était 69-71. Et avant les grandes opérations de logement, c'était, ben, il y en avait déjà, on avait déjà commencé à faire des logements. Et le parc des Arrives, c'était 76-70. Alors, il y avait un tel vague qui existait à peu près au niveau du chemin principal et du canal. Là, à peu près là. La demande qui avait été faite à l'époque, c'était de se servir des 300 000 cubes de terre et de les répartir sur le terrain des 8 hectares pour ne pas avoir à les évacuer. Des gens ont répondu au programme, et puis un n'a pas répondu au programme. Mais le projet était quand même intéressant, plus intéressant que les autres. Donc il a été retenu. Bon, ça fait polémique au sein des établissements publics, ça fait polémique à l'extérieur. Enfin, c'était un petit peu compliqué, mais on a tenu ferme. Et on l'a fait réaliser, donc c'est Love Jux partenaire et Provo proche du Guinée français. Quand les secs, alors la préfecture était construite, la piscine et les bâtiments, les deux bâtiments qui sont là, étant en cours de construction, la piscine a un solarium sur le parc, l'hôtel d'agglomération commençait tout juste, la tour EDF n'était pas présente, les SEC, on a eu les premiers contacts en 72 avec les SEC, l'hôtel ici est arrivé après la construction du parc. Le centre de formation qui était la Banque Populaire et qui est maintenant la chaîne de commerce et d'industrie était en cours d'étude. Ce centre de formation et l'ESSEC, c'est le même architecte, c'est Ivan Seffer. Et alors on a une zone de logement collectif
chemin du Puy qui ont des logements plus hauts sur l'arrière, des logements plus bas sur l'avant, pour pouvoir avoir des vues sur le parc. Un groupe scolaire aussi, parce qu'on a voilà, 600 logements. Alors ce parc a quand même deux...